Et c'est tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la manche autrichienne de ce Formule 1 97, en espérant cette fois-ci que la manette tienne, mais je vous avoue que ça risque d'être très compliqué, parce que j'entends souvent des co-recos. Donc, on va essayer de pas trop bouger, hein. On va tenir ça pendant 12 tours, ça va être compliqué, mais bon. Allez, c'est parti, donc on va faire démarrer la session. J'ai quasiment pas mis l'aileron, concrètement, parce que c'est... Il y a que deux virages un peu compliqués, notamment le deuxième gros freinage. Mais je me dis que ça peut permettre de rattraper un peu les autres. Je sais absolument pas ce que ça va donner contre les IA. Alors on a fait un temps qui me semble assez correct, je crois que c'est plus d'une 11. On verra ce que fait l'IA. Mais ce qui est sûr, c'est que le dernier secteur sera le plus difficile. Allez, c'est parti d'Oden Doblé. Ce qui ne veut rien dire. Donc le plus difficile, ça va vraiment être sur le deuxième freinage là. Il faut vraiment freiner assez tôt. Et sans bloquer les roues, ce qui est encore plus difficile. Ouais, là par exemple, je suis à la limite. Pour prendre l'enchaînement, c'est compliqué. Après, tout ce qui va être ligne droite devrait être ok puisque j'ai pas d'aileron. Enfin, très peu. Bon, voilà, dès qu'on va arriver dans des zones un pendant peu pendant une plus... séance de qualification au trafic important, un pilote de Grand Prix doit être un véritable expert. Il doit examiner les 3 ou 4 voitures qu'il précède, deviner de qui il s'agit et déterminer si elles sont susceptibles de l'aider ou de le gêner. Je le trouve extrêmement buggé ce circuit de la ring. Bon, c'est vrai que c'est un circuit qui est typiquement fait pour la saison 97, parce qu'il n'était pas dans le jeu. C'est pas un copier-coller de la version 95, c'est ça que je veux dire. Mais du coup, je trouve qu'on voit pas mal les bugs au loin. Je me dis qu'on n'est pas très rapide hein, par contre. Alors, essayez de pas trop se louper au freinage là. Voilà, je l'ai un peu mieux pris. Voyons combien il fait par rapport au temps de qualification précédent. C'est le temps le plus rapide que nous ayons vu aujourd'hui sur ce premier tronçon. Et ça va me permettre du coup... Voilà, j'ai pris l'aspiration sur la rose. Troisième vitesse, il rétrograde en seconde. Ouais, c'est là où c'est complexe. Double. Quatrième vitesse, il est en avance. Double gauche, j'accélère un peu plus fort. Il pourrait occuper la pole position. Par contre, une fois que j'ai pris de la vitesse, c'est bon, on est bien. Ce type de performance aura très certainement fait augmenter sa valeur d'ici la fin du week-end. Allez, on va voir. Le temps final, une 10-8, ça a l'air pas mal. Le plus rapide. Ah, je pense que ça va être compliqué de faire mieux. On va voir si l'IA fait beaucoup mieux ou pas. 24-4. J'ai raté mon freinage. Vous voyez ce que ça fait hein, quand on rate le freinage. On tire tout droit. Bon écoutez, on va faire start, on va faire fin de qualification. De toute façon, je pense pas que je vais faire beaucoup mieux concrètement. On va faire oui, et on revient à la configuration de la voiture, histoire de pas se faire spoiler le classement. Donc je vais et je vais masquer le jeu vite. Voilà, hop, je ne vois rien. Je pense que c'est bon, ouais, ok. Bonjour et bienvenue en Autriche. Le ring de Zellweg nous accueille pour le Grand Prix d'Autriche de la saison. Ce circuit où se tient, après une interruption de 10 ans, le premier Grand Prix d'Autriche est quasiment inconnu des pilotes.
En 1987, la course s'était tenue sur l'Österreichring, célèbre pour ses courbes larges et rapides. Rien à voir avec le circuit d'aujourd'hui, qui se compose sur 4,3 km de virages serrés et de courtes lignes droites. Par ailleurs, le spectacle que nous offrent les montagnes est absolument grandiose. Bon, je suis un peu déçu, je pensais qu'on serait un peu plus devant. Mais 9e, ça va, c'est loin d'un dernier, donc... Avec un peu de chance, on peut peut-être faire quelque chose. Les pilotes occupent leur place sur la grille maintenant et se préparent au départ. Les feux rouges commencent à s'allumer. Et c'est parti, c'est parti! Oh là là, oh là là! Ouf, j'ai créé un carambolage derrière. Allez, on va essayer d'utiliser notre vitesse de pointe pour justement prendre le meilleur dès le début. Ouais, attention au freinage, voilà. Oh! Le vibreur! Oh le vibreur, je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il me sorte comme ça. Bon, c'est pas trop grave, on va peut-être pouvoir revenir quand même. Il va falloir faire vite parce que là il se gêne pour le moment, donc pour remonter c'est le moment ou jamais. Ouais, ça va être le moment un peu compliqué. Oh, ils ont pas l'air très rapides à cet endroit. Hein. Ouf, je fais partir à la faute. Bon, les vibreurs, on va se calmer. Deuxième tour. Bon, on va se le dire quand même, l'erreur du début elle est un peu pénalisante quand même. Cela ne suffit pas d'avoir de la chance, il faut encore être bon, et c'est son cas. Allez, allez, là ça peut le faire. Au freinage, oh, il y a un freinage devant que c'est loupé. Oh, ça a failli faire Irvine Alesi comme en 97, là où il s'était accroché. Et qu'il y avait Alesi qui était passé carrément au-dessus d'Irvine. Écoutez, on remarque des points, merci l'accident devant. Voyons comment se compose le classement maintenant. En tête de la course, Hans-Harald Frentzen. En deuxième, Williams numéro 1. En troisième, allez, la partie Michael difficile, voilà, bon honneur accélération. En quatrième position, Jean Alesi. Que s'est-il passé? L'écart se creuse. À la cinquième place, Eddie Irvine. Sixième, Mika Salo. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont pas très très rapides dans les deux derniers virages. Ça m'arrange parce que c'est là où je suis censé être le plus en difficulté. Finalement, ça se passe pas mal. Nous sommes dans le troisième tour de la course. Ça y est, il comble l'écart. Faut vraiment que je fasse gaffe à la manette, hein, pas faire de mouvement brusque. Oh, je me suis loupé au freinage, je freine un peu tard. Il recule un peu. La distance s'accroît. Grand Prix d'Autriche, excellent. Regardez d'ailleurs en vrai, hein, le Grand Prix de 97 était quand même exceptionnel. Ah, c'est compliqué, par contre là j'ai du mal à reprendre de la vitesse. Ouais, j'ai carrément coupé. Alors, je suis tombé sur la McLaren qui a une énorme vitesse de pointe, du coup c'est pas bon pour nous. La distance s'accroît.
Bon, là par contre, tu vas falloir absolument que je tienne ma 6ème place, même si j'ai pas remonté sur celle devant. Oh non! Tous ses espoirs de marquer des points au championnat semblent anéantis. Alors, pas anéanti complètement, mais ça va être compliqué. Là. Ah, elle va trop vite la McLaren. C'est ma dernière chance. Ma dernière chance, c'est maintenant. Alors, si je me loupe ici au freinage, bah c'est fini. Placement de la course, à la première place, Hans-Harald Frenzen. Oh, elle va trop vite la McLaren, trop vite. Williams numéro 1. À la troisième place, ah, Michael putain Schumacher. Ouais non mais là je l'ai fait exprès, j'avoue franchement. J'ai essayé de freiner, j'ai vu que ça passait pas. Du coup je suis la seule solution de marquer le point, c'est de rentrer dedans. Bon, on n'aurait pas. Hein. Ça compensera les énormes points perdus à Monza. Je vais rien demander à personne d'ailleurs. Bon, je suis un peu déçu parce que même j'arrive pas à remonter sur le top 5, hein, ça c'est sûr, j'y arriverai pas. Il recule un peu. Ouais, 6 secondes de 9. À moins qu'il se passe un gros truc. Alors, ça, j'ai perdu beaucoup de temps au début avec mon tête à queue. Je pense que j'aurais été peut-être un peu mieux placé dès le début. Même sûrement. Faut essayer de pas leur donner l'aspiration hein, par contre. 7 secondes une, ouais. Pff, oh là, mon Dieu. Je vole par-dessus le virage à chaque fois. Oh non. Il freine avec force. Oh, ben voilà, je sais que j'allais le rater à un moment ou à un autre. Il abandonne tout espoir d'être dans les 6 premiers et... Bon, en vrai, ma seule chance, c'est que la Jordan n'est pas très rapide. Les deux voitures ont dû se toucher, je pense. Ah, ma seule chance, c'est que la Jordan n'est pas rapide par rapport à la McLaren, voilà. Du coup, je peux reprendre. Ça se voit, hein, la différence de vitesse entre la McLaren et la Jordan. Par contre, derrière, après, c'est la McLaren. Après, c'est plus compliqué. Il est en retard sur le leader au deuxième temps intermédiaire. Ah, deux erreurs. Trois erreurs même pendant le Grand Prix. Ah, 10 secondes de retard. Et pour l'instant, la Jordan, là... Elle a du mal en ligne droite et du coup voilà la Mercedes, la McLaren pardon, se met juste derrière. Il cède du terrain. Un petit point en Autriche, j'irai pas non quand même. Hein. L'écart se creuse. Classement de la course, Hans-Harald Frenzen. Williams, numéro 1. Michael Schumacher. Jean Alesi. Plus que 3 tours à franchir. Ah, j'ai réussi à gagner du temps pour une fois dans le dernier secteur. Sur Irvine, bon, c'est trop tard, mais... J'ai réussi. Et la McLaren est passée, hein. Du coup ça va être compliqué priori, maintenant. A priori, pousser une voiture de course au maximum de ses limites est plus une question de tête que de cœur. Mais sur la piste aujourd'hui, il y a la performance et il y a aussi la passion. Il cède du terrain. Et Kylian qui doit rager derrière moi.
Elle est vraiment forte la McLaren, hein, mine de rien. Parce qu'elle a une super vitesse de pointe, elle tourne autant que moi. Donc je peux pas l'avoir comme ça. Quand vous pilotez une Formule 1, il ne faut pas être nerveux. Vous êtes attaché, vous ressentez chaque mouvement, vous faites corps avec la voiture. Oh non, je suis pas nerveux, écoutez, j'ai McLaren qui est en train de prendre un vent en accélération, mais tout va bien. Vous commettrez de nombreuses fautes de pilotage. Allez, plus de tours. J'arrive pas à bien le prendre pour les virages, hein. J'ai toujours une erreur à chaque fois. Il cède du terrain. L'écart se creuse. Il met 9 secondes dans le deuxième secteur. J'ai peut-être mis un poil, peut-être pas assez d'aileron, hein. Peut-être à 10 près, ça aurait pu être pas mal. Ça aurait été un bon compromis. C'est quand même galère. Allez, dernier tour. Et maintenant, il attaque son dernier tour. Ouh, leur accélération que c'est mal passé. Sur le vibreur. Pareil, j'ai fait rater mon freinage. Je recule un peu. La pression. The pressure. C'est une victoire pour Hans Harald Frentzen. Je suis sûr que cette victoire va faire énormément plaisir à Franck. Ah, il est collé, hein. Il est collé de chez collé. Il faut vraiment pas que je laisse la moindre ouverture. Deuxième. Williams numéro 1. La distance s'accroît. Troisième. Michael Schumacher. Allez, la dernière ligne droite, donc la maintienne bien. Allez, c'est une sixième place, bon, pff, je savais pas qu'elle est pas méritée, parce qu'on était quand même pas mal en performance, mais bon, on va dire que j'aurais peut-être pas dû être dans les points quand même. Bon, bah, surpris par le livre au premier tour, qui m'a fait perdre pas mal de temps, je pense vraiment beaucoup en fait, par rapport au fait qu'au début l'IA est facile à suivre, et peut-être que j'aurais pu me caler dans les 4, et en plus... Si j'avais été calé dans les 4, j'aurais été compté Ferrari, peut-être les Benetton, etc. Et j'aurais pu avoir l'aspiration. Donc ça aurait peut-être fait une course totalement différente. C'est Frentzen qui a le meilleur temps en tout cas, en 1.08, donc largement devant. Bah écoutez, on marque un point, on va pas se plaindre. Un point qui nous permet d'être qu'à un point de Villeneuve au lieu de 2. Qui change pas grand-chose en gros. Frentzen toujours en tête du championnat, devant Michael Schumacher, allez-y Villeneuve, Salo, Irvine... Et au classement constructeur, bah, on reste quatrième. Je sais pas si Benetton sera prenable, à mon avis c'est compliqué, mais bon, on sait jamais. Et comme dit dans les commentaires de la précédente course, ça va être chaud, hein, parce que le Grand Prix Estoril, je peux vous dire, c'est quasiment mort de chez mort, parce que c'est un circuit avec des courbes, enfin, on va être à la rue. Suzuka, ça reste une grosse inconnue. Je crois que j'ai oublié une course, parce que c'est 15, 16, 17. RRS évidemment. Alors RRS, je sais pas, ça sera la grosse inconnue, mais je pense qu'on sera pas forcément en forme sur cette tracée, on verra. Bon, en tout cas, on se dit à la prochaine pour... J'ai oublié le Nürburgring. Alors peut-être Nürburgring, je sais pas. J'ai des doutes, mais on verra bien. Donc du coup, pour le Grand Prix d'Europe, je vous dis à la prochaine... Le Grand Prix du Luxembourg, pardon. Et je vous dis donc à la prochaine pour la suite du championnat. Ciao tout le monde.